Donc là, pour le corps, on va activer donc notre sphère numéro 2 et on va commencer à tracer en fait hein, donc un petit peu la géométrie donc pour notre corps. Donc là, on va former le corps et juste la structure du torse en sachant que notre personnage donc arrivera à peu près là. Donc du coup, on va prendre la sphère, on va la contracter, on active bien la symétrie. Hein, et là, on va créer donc la boîte thoraxique hein, ici directement. Hop. Pour le dos, du coup, donc la courbure du dos, on va prendre donc ici la sphère et la remonter un petit peu sur le cou. Et là, on continue à fesser la géométrie pour la rentrer un petit peu à l'intérieur. Voilà, on peut recalculer la sphère à 32, hein, tranquillement. Et là, la courbure du dos, en fait, hein, donc, ça a toujours une forme de S aussi, hein, d'accord? Donc le cou part, on a donc ici le dos, ça rentre un petit peu à l'intérieur, et après, ça ressort au niveau du fessier. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, ensuite, on va rentrer un petit peu donc, la boîte thoracique. Là, c'est la délimitation du ventre. Voilà. Et là, je vais remonter un tout petit peu ici pour tronquer mon cou. Et on va donc réduire un peu cette surface, voilà, pour la scale et l'adapter par rapport à notre corps. Voilà, comme ceci. Et donc là, le but, c'est d'avoir donc une forme beaucoup plus vaste ici pour donc les côtes, hein, d'accord? Et après, pour le ventre, donc on va rentrer un petit peu à l'intérieur ici. Et là, ça repart vers les hanches, d'accord? Ça, c'est plus pour une forme féminine, hein, du coup. Ensuite, on va créer donc le pubis ici. Donc là, on tire un peu sur la géométrie au centre pour créer donc la délimitation, donc le bassin. Et on rentre un petit peu sur les côtés pour pouvoir placer les jambes par la suite. Voilà, on recalcule, on retire. Là, je peux gonfler un petit peu parce qu'on a un peu pas, on n'a pas assez de géométrie. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Vous voyez comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Tac. Donc là, on va passer donc à un niveau donc à 128 hein, tout de suite, hein, parce que là, il n'y a pas besoin de passer par 64. Donc, on lisse, hop, et là, on fait un shift-click et on lisse toute la surface pour adoucir donc les formes. Donc là, le corps, on va pas trop s'attarder en termes de détails au corps, parce que du coup, on n'aura pas de personnage nu, d'accord? Mais c'est quand même important de respecter donc les zones de volume et surtout les courbes du personnage, parce que sinon, on aura un décalage, d'accord? Donc là, je sais que par exemple, donc, mon muscle ici monte sur la surface du cou. Donc là, je vais prendre avec le Move Topology, donc juste là, et on va remonter en forme de triangle, hein, vous voyez, comme ceci. On va les affaisser un petit peu sur les côtés. Et là, ça crée automatiquement les muscles du cou qui sont ici, hein, donc les trapèzes. Et là, on a quelque chose de propre. Ah, donc la courbure du cou est un petit peu trop prononcée, donc on va juste l'adoucir un peu. Voilà. Et là, c'est propre. Nickel. Ensuite, par rapport donc, en dame standard, on va définir donc, les zones un petit peu pour placer la poitrine, etc. Donc là, les côtes, on va les, donc, les, enfin, la poitrine thoracique, on va la prendre ici. On va tracer donc, un trait comme ça, vous voyez. Hop, pas comme ça, comme ça. Voilà, on adoucit. Là, sur le côté, on remonte de la même forme. Voilà. Ensuite, pour la colonne vertébrale, on va creuser ici. Donc on fait un shift-click, on clique hein, avec shift, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on relâche, d'accord, pour tracer donc la ligne de la colonne vertébrale. Ensuite, pour le fessier, donc on arrive ici, donc là, ce sera le haut du fessier. Donc là, on a une vague qui remonte pour structurer le fessier. Ça repart au niveau du bassin pour arriver au niveau du ventre, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, donc là, pour les, comment, pour le haut, en fait, donc ça part en triangle. Donc ça, c'est pour les muscles. Hein. Donc là, pour l'instant, on dessine juste les os. Donc là c'est bon, et là c'est bon. Donc là c'est un petit peu trop haut. On va juste descendre un petit peu ici. Voilà, et structurer un petit peu plus le corps en termes de finesse. On va donner un petit peu de ventre, hein, très léger. Voilà, et définir un petit peu plus le bassin en arrière pour structurer mon dos. Comme ceci. Donc maintenant on va tracer donc ici donc les muscles pour les épaules. Donc là on va tirer
un espèce de triangle au niveau des épaules, hein, d'accord? Et ça va être donc le muscle des épaules. Comme ceci. Donc après, on placera nos bras donc, directement là. Donc les personnages, on va les faire en T-pose, hein, du coup, pour le rig. Donc vous pouvez le faire en A-pose ou en T-pose, hein, ça dépend. Il y en a qui préfèrent la A-pose, d'autres la T-pose. Pour ma part, moi, c'est la T-pose. Okay. Donc là, on donne un peu de volume, on regonfle, voilà. Et là, vous voyez, donc, ça crée donc la délimitation pour nos épaules. Ensuite, ici, on va rentrer un petit peu à l'intérieur pour créer donc la cavité du bras. On recalcule et on lisse. Voilà, parfait. Donc là, c'est un peu trop bas, mais ça, on pourra le remonter par la suite une fois qu'on aura créé les bras. Donc maintenant, on va lisser un peu la géométrie qu'on a créée donc ici. Donc là, on a délimité nos zones, hein, donc c'est bon. Maintenant, on peut lisser la structure. Voilà. Et là, on va commencer à tracer un peu le volume des muscles. Donc pour les muscles, en fait, on va prendre donc ici donc le clay build. Et là, au niveau des épaules, donc on a une connexion donc directement qui part des épaules, qui va donc venir ici, d'accord, donc à l'intérieur, hein, donc très doux, hein, vraiment très doucement. Voilà, on va délimiter un petit peu les omoplates, donc légèrement là. Hop, et là on remonte tranquillement. Voilà, donc là on a donné juste un peu de volume. On fait un contrôle drag et on lisse. Donc le but c'est pas d'avoir du détail, mais juste du volume. Okay. Ensuite, pour le dos, donc là le dos il part donc un peu en triangle comme ça. Il va s'affaisser à peu près ici. Donc là, pareil, on donne un peu de volume. Donc là, très léger. Hein, et on lisse. Pour le cou, on va juste le creuser davantage à l'arrière. Donc ici. Voilà. Et ainsi que la colonne. Donc là, on va faire un trait. Hop. Voilà. Une fois et deux fois. Voilà. Juste pour tracer un peu plus. On fait un contrôle et on lisse. Voilà, ça permet d'avoir juste un peu plus de structure au niveau du dos. C'est beaucoup plus joli en termes de courbe, quoi. D'accord? Voilà, ensuite donc on a un petit peu de muscle donc ici sur le contour donc pour les pommes d'amour, hein, donc ici, ce qu'on appelle les pommes d'amour. Donc voilà, on va tracer un peu de volume donc là sur la gauche, hop, on lisse. Et là on peut délimiter un peu les côtes hein, aussi, hein, donc du coup, juste tracer donc deux traits comme ça, pour simuler donc un peu le volume des côtes. Voilà. Ensuite pour le torse, hein, donc du coup on a ici donc la cavité du cou, donc là on va la fesser hein, parce que là c'est beaucoup trop prononcé. Et là, on va commencer par donc, fusionner notre tête avec notre corps pour pouvoir sculpter donc, les muscles qui vont du cou jusqu'au torse. D'accord? Donc là, je pense que mon cou a une bonne taille par rapport à sa structure. Ouais. Donc là, on va prendre donc, la tête, on prend le corps, on le met en dessous. Je prends ma tête et je clique sur fusionner vers le bas. D'accord? Donc ici, vous avez l'option donc fusion. Hop. Et là, fusionner vers le bas. Et OK. Donc là, maintenant, mon mesh est fusionné. Donc maintenant, quand je le recalcule, ça recalcule tout d'un coup. Donc là, je peux commencer à lisser, à réduire un peu mon cou. À lisser un petit peu l'arrière, donner un peu plus de courbe. Voilà, parfait. Et là, on va commencer donc à tracer donc les os encore une fois, hein, donc avec le dame standard. Et là, le but, c'est de créer donc les cavités du cou. Donc là, non, on va passer sur le clay build. Et on va tracer donc ici, vous voyez, en fait, donc là, à partir de l'oreille, on va descendre ici, comme ça. Donc juste à partir de l'oreille. Hein. Vous descendez un petit peu ici pour créer donc un peu de volume. Donc là au niveau donc des muscles du cou, comme ceci. Contrôle drag, on lisse, voilà. Et là on va préciser donc les cavités avec le dame standard. Donc à l'intérieur de ces lignes, d'accord? Comme ceci. On arrive donc ici au niveau du torse, on va donner donc un tout petit trou. Donc là, on va creuser. Hop. Et là on va créer donc l'os du cou des clavicules. Hein. Donc ici, hop. Et donc l'os des clavicules en fait est en forme de guidon. Donc du coup on gonfle ainsi la géométrie. Et là on donne une forme de guidon, vous voyez, qui part vers l'arrière, comme ceci. Là on lisse hein, le volume bien sûr. Hop, et on recalcule. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Maintenant, on peut lisser un peu le détail, hein, juste pour donner la structure, remonter un petit peu les clavicules et leur donner vraiment ce mouvement en S hein, qui part à l'intérieur et qui repart vers les épaules. Voilà, comme ceci.
Voilà. Pour le devant du corps, maintenant, donc on a donc ici le muscle de l'épaule qui va se connecter donc là, directement, pour donner un peu de volume, donc ici. Voilà. Et ensuite, on a donc les pectoraux. Donc les pectoraux partent du centre ici et sont connectés sous le bras, d'accord ? Donc ils vont directement là. Là, on trace donc les pectoraux. Donc là, même si c'est un personnage féminin, hein, donc la femme a des pectoraux, hein, faut pas croire. C'est juste qu'après, donc ils sont un petit peu prononcés avec la poitrine, qui sont du coup par la suite. Donc là, on donne juste le volume pour l'instant du torse. Voilà. Donc là, on peut juste avancer un petit peu, donc ça. La fesse, c'est ça un petit peu, comme ceci. Voilà. Là, à peu près, comme ça. Parfait. Maintenant, avec le dame standard, donc on va tracer un petit peu donc la ligne, le contour et la ligne de connexion. Et là, sous le bras, en fait, on va passer donc ici en mode vague. Donc là, en fait, quand on connecte donc le pectoraux avec le bras ensuite repart sur l'arrière et repart ici. D'accord ? Donc là, sur les omoplates. Donc là, on les trace hein, vraiment de façon un petit peu abusive. Mais c'est normal, c'est juste pour créer donc, la ligne de connexion ici. Quoi. Voilà. Tac. Là, on recalcule. Maintenant, on lisse tout ça. Voilà. Là, vous voyez, ça crée juste la structure qu'il faut pour les omoplates. Parfait. Voilà. Ensuite, on aura donc le nombril à peu près ici, hein, donc au niveau du centre. Donc le nombril, je le trace, c'est comme référence pour les bras, donc je vous expliquerai après pourquoi. On prend donc le move topologie, du coup on va rentrer un petit peu donc là c'est un petit peu trop bas, je trouve, enfin un peu trop haut, pardon. Hop, hop. Donc là et là. Un peu plus de hanche, voilà. Et maintenant pour la poitrine, en fait, hein, donc le but, c'est de donc plaquer un petit peu donc la poitrine vers l'arrière, comme ceci. Et là, en fait, on va dessiner donc du coup la poitrine. Donc pour la poitrine, on rajoute donc un mesh, une sphère 3D. Cette sphère, donc je vais la tourner à 90 degrés, d'accord. Donc je la sélectionne, je la tourne à 90 avec Shift clic, hein, je la scale. Et là, je viens de la placer donc au niveau de la poitrine. Donc là, vu que c'est un personnage cartoon, hein, n'abusez pas trop sur la poitrine, à part si c'est votre choix artistique. Mais nous, en fait, on va essayer de faire une poitrine donc en volume, mais pas non plus. Voilà. Ça reste un enfant, quoi. Okay. Voilà, donc là, on va juste placer donc ici. Hop, voilà, donc au niveau des pecs. Et là, en fait, donc la forme de la poitrine est toujours en forme de goutte. Donc là, en fait, on prend, vous voyez, donc notre sphère, on la tasse ici. Et en fait, donc la poitrine est connectée donc au niveau des clavicules ici, hein, d'accord. Donc là, comme ça. Tac. Donc là, vous faites un miroir et soudé. Voilà. Et là, on va juste gonfler un petit peu plus donc, le volume ici. Voilà. Et on gonfle un peu plus le volume vers l'avant. Voilà. Touk. Et là, on est bon. Donc maintenant qu'on a ça, on peut faire un miroir et souder à nouveau, hein, parce que du coup, l'autre n'est pas pareil. On active la symétrie. Et là, on va fusionner notre poitrine avec notre corps. Donc là, on prend le corps, on fait une fusion vers le bas encore une fois. Là, la poitrine est fusionnée, contrôle drag. Et du coup, on a notre poitrine propre. Donc là, on a juste à lisser hein, donc le volume un petit peu. Voilà, ajuster un petit peu donc la taille. Ajuster un peu le volume. Voilà. Hop. Et là, on a notre poitrine propre. Nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va juste ouais, réduire un peu le ventre, parce que c'est un petit peu abusé quand même. Voilà, hop. Là, c'est pas mal. Et les épaules sont un petit peu trop. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va tracer donc les bras. Donc ici, hop. Donc là, excusez-moi parce que j'ai ouvert mon panneau de dessin. Donc là, pour les bras, on va rajouter donc un mesh, un cylindre, d'accord. Donc ce cylindre-là, on va faire un W, on va le tourner à 90. On va réduire donc un petit peu la scale de nos bras, comme ceci. Là, on va le scale sur Y, et du coup, on va le placer ici. Donc là, pour avoir donc, la bonne dimension des bras, hein, donc on va le placer donc, directement au bon endroit.
Donc au niveau des épaules, hein, donc en T-pose, là on va l'augmenter un peu parce qu'ils sont vraiment trop fins. Voilà. Et là pour avoir donc la notion de grandeur, en fait quand vous allez prendre donc, votre cylindre, vous appuyez sur Alt-Click pour déverrouiller donc, votre cadenas, vous placez votre curseur au début du cylindre, et là quand vous le tournez, vous voyez, donc là on voit la délimitation. Donc, vous le placez bien en fin de cylindre, on le tourne, on le replace. Et là, on a notre bras. Donc maintenant, quand je le tourne, mon bras, avec Shift-Click, hein, du coup, donc je tourne sur l'axe où je suis, on voit son angle de rotation, d'accord? Et du coup, le coude arrive toujours au niveau du nombril, d'accord? Donc ça va être mon coude. Ensuite, donc, l'avant-bras arrive plus ou moins au niveau du bassin, et après, on a la main qui se prolonge sur les cuisses, d'accord? Donc là, notre bras est un peu trop grand, donc on va le scale, comme ceci. Et là, on en va jusqu'à l'avant-bras, d'accord? Donc ça, c'est l'avant-bras, et après, on mettra la main par la suite. Et là, on a la bonne taille de bras. Donc, maintenant, pour avoir donc ici la délimitation du coude, donc je place mon bras comme ça, je prends mon dame standard, je recalcule mon mèche donc à 128, et là, je trace une ligne qui part d'ici jusque là pour délimiter mon coude. D'accord? Voilà. Maintenant que j'ai tracé mon coude, je peux le retourner en T-pose, et là, je continue à sculpter mon bras. Donc là, on va faire miroir, miroir et soudé. Maintenant que j'ai mon bras, on va commencer à lui donner un tout petit peu plus de volume avec le Move Topology. Pour le connecter donc sur ma structure, on peut repasser sur le mesh en faisant un double clic, donc Alt double clic. Du coup, ça switch de mesh. Et là, je peux affaisser un peu mes muscles. Alt clic encore une fois. Voilà, et donc là en termes de volume, il faut faire attention à ne pas donner trop de volume parce que ça reste du coup un personnage assez fin, assez filiforme, assez stéréotype hein, finalement, mais voilà quoi. On veut vraiment affiner les bras et pas donner une musculature immense, quoi. D'accord? Donc là on va donc juste tronquer le coude un petit peu à l'intérieur, hein, donc ici très léger, on lisse, et là on va donner un petit peu le volume à l'arrière pour créer donc le coude. Ok? Juste comme ça. Ensuite, on va réduire un petit peu donc là la forme sur le haut et le bas pour les tronquer. Voilà, donc là c'est un peu too much en termes de courbe. Voilà. On va passer en vue de dessus. Et là on va affaisser ici donc la géométrie comme ceci. Voilà. Donc là on lisse, hein. On donne juste un peu de volume au niveau de l'avant-bras. Hop. Le but c'est de respecter donc la courbe qu'on a donnée ici, hein, d'accord? Voilà, donc là on passe en vue de face, donc là on voit que mon avant-bras est un petit peu trop épais, donc on va l'affiner au niveau du poignet. Et on donne juste un peu de volume donc ici au niveau de l'avant-bras. Là on peut tronquer davantage, voilà. Et là on va lisser un petit peu toute la surface comme ceci, voilà. Là c'est pas trop mal. Au niveau du bras on va le rentrer un petit peu à l'intérieur donc ici pour créer donc la délimitation avec le muscle. Donc la forme de vague hein, qu'on a dessinée tout à l'heure, hein, vous en rappelez. Et là, c'est pas trop mal. Là. Ouais. Donc maintenant, on va faire un miroir, miroir SOD. Hein. Voilà. Et là, j'ai mes bras. Donc on va les fusionner tout de suite avec le corps. Donc là, on prend le corps encore une fois, fusion vers le bas. Ok. Je recalcule mon mesh. Et là, je lisse la géométrie. Donc c'est là où on va affiner un petit peu le bras davantage. Hein, donc on lisse un peu. On lui donne un peu moins de volume. On lui donne une forme plus fine, plus douce. On gonfle juste un peu les épaules. En termes de structure, donc ici, voilà, très léger. Et là, pareil, on rentre un petit peu à l'intérieur ici, parce que là, c'est un peu trop volumineux. Voilà, et on ressort là. Voilà. Donc, là, on peut tronquer un petit peu ici. Et on rentre un peu là. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, on a donc nos bras. Maintenant, pour nos jambes, donc c'est la même méthode. Hein, donc on ajoute donc un cylindre encore une fois. Le cylindre là, donc on va le scale de façon globale. Hop, je le déplace vers le bas. Et là, en fait, pour les jambes, on va leur donner donc un léger écart pour pouvoir les sculpter correctement. Donc là, on va donc les pivoter à peu près à 15 degrés, comme ceci. Et là, on les place. D'accord? Donc ce qui permet d'avoir donc les jambes écartées. Et après, pour l'animation, ce sera beaucoup plus simple. Et pour les vêtements surtout. De gérer le rig comme ça, d'accord? Donc là encore une fois on replace donc le mesh ici, on scale nos jambes, et là du coup on va donner donc des petites jambes, hein, pas très élevées, hein, du coup donc là les bras arrivent là, tac, hein, voilà, donc là je pense que c'est pas mal. Là je pense que c'est pas mal.
Hop, on les recule un peu. Et là, le but, c'est de les recalculer donc à 128. On les lisse un peu. Voilà. Et là, on va juste jouer avec le volume. En fait, donc on va gonfler l'avant de la cuisse ici avec Alt-Click hein, pour les normales. Là, on gonfle les cuisses un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pas le volume final, hein, c'est juste le volume de structure hein, pour l'instant. Mais c'est pour vous donner une idée. On gonfle l'arrière donc du fessier, hein, on le connecte avec le bassin, comme ceci, vous voyez. Tac, avec Alt-Click, hein, toujours. Hein. Donc vous donnez des petits coups d'Alt-Click. Et du coup, ça permet de sculpter un petit peu le volume, quoi. L'arrière de la cuisse aussi est un petit peu volumineux, donc ici. Hop. Là, ma cuisse est beaucoup trop volumineuse, hein, donc on va l'adoucir un peu. Voilà. Hop. Là, on connecte donc avec le haut, comme ceci. Et là, on donne juste un peu plus de matière sur les côtés, et on lisse. Ensuite, pour le genou, donc le genou va arriver à peu près là. Donc là, on va l'affaisser. Hop. On va donc lui laisser un petit peu de volume ici. Et là, on va juste reculer à l'arrière, donc la cuisse, hein, pour donner la jonction de la jambe. Voilà. Là, on donne un peu de volume, on lisse. On recalcule, on lisse. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Ensuite, pour donc, la cheville, donc là, on a donc la délimitation du genou, pardon. La cheville, du coup, va rentrer et s'affine au fur et à mesure. D'accord? Comme ceci. Hop. Donc là, on lisse, hein, pour arrondir la surface. On va rentrer un peu à l'intérieur. Et la cheville doit être alignée parfaitement par rapport au genou. D'accord? Donc il n'y a pas de courbe au niveau de la cheville, quoi. Donc là, on lisse juste la structure ici. On affaisse donc là à l'arrière. Et on gonfle un petit peu pour les mollets à l'arrière. Comme ceci. Maintenant qu'on a notre jambe, donc on va faire un miroir essoudé. Et du coup, on va juste restructurer un peu. Donc là, vous voyez en fait ici, donc là, on a un peu trop de volume au niveau de la cuisse. Donc là, sur la gauche, on gonfle un petit peu plus sur la droite. Voilà. Et le but, c'est de faire des bonnes jambes, en fait, hein, un petit peu bien charnelles. Et du coup, là, pour le genou, en fait, donc on part par rapport au muscle. Hein, donc le muscle est connecté comme ça, normalement. Et du coup, on part par rapport au muscle et on fait un triangle au niveau du genou, juste pour le préciser, vous voyez. Donc une petite sphère, donc vous donnez un peu de matière. Vous lissez, vous recalculez, vous lissez. Et là, hop, on a délimité notre genou. Vous voyez? Donc ça va très très vite, quoi. Ensuite, pour le fessier, donc du coup, on va lui donner juste un peu de volume pour le rapprocher. Donc ici, hop, miroir, miroir à souder. On active la symétrie, hein, du coup. On va lisser donc là l'arrière-train. Hop. Et là, on va donner juste un peu plus de structure, donc ici à l'arrière. Hop. Et là, le but, c'est de rapprocher, en fait, donc la géométrie autant que possible hein, pour créer donc la ligne du fessier. Donc là donner un peu de volume. Voilà, gonfler un peu les parties ici. Glisser, hop, voilà. Et le but c'est de les souder ensemble, vous voyez, donc les connecter. Et une fois que vous avez atteint ce stade-là, là on peut après sculpter donc le fessier correctement. Quoi. Donc là on va rentrer un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et là on peut souder donc nos jambes avec le corps. Donc là on prend le corps encore une fois, je mets mes jambes par-dessus. Hop. Là, je vérifie bien mon pubis. Donc là, le pubis, vous voyez, il est un peu trop haut. Donc on sélectionne le corps, on le ravance un tout petit peu, comme ceci, et on le recule. Voilà. Là, on le lisse un peu, hop. Le fessier ici est un peu trop rentré, donc là, on va juste l'affaisser comme ça. Donner un peu de volume ici. Et le lisser à peu près là. Voilà. Ok. Et donc là, on le fusionne avec le corps. Donc là, je prends mon corps, je fais une fusion vers le bas, ok, et on lisse. Et là, on lisse donc toute la géométrie, hein, du coup, pour le sculpter correctement. Hop. Voilà. Et là, je donne forme à mon corps. Donc là, pas besoin de tracer donc la ligne des fesses, etc. Parce que comme je dis, ce ne sont pas des personnages nus, mais c'est important de respecter donc la ligne de volume, d'accord. Donc surtout cette ligne-là, donc la courbe qui est très importante, la courbe du fessier à nouveau, hein, vous voyez, toujours en forme de S, donc ça fait tac, 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 tac. L'appareil pour le ventre, donc ça fait tac, 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 tac. Et après, là, on a une ligne droite. Ok? Voilà. Et là, on a notre corps de personnage féminin.
Donc après, on va sculpter donc les mains et les pieds pour la prochaine session. Et ensuite, on finira donc de peaufiner notre base mesh pour le rendre plus joli au niveau du visage, hein, surtout. Donc on passera aux détails, etc.